Quel plaisir, quelle joie et quel honneur d'être avec vous ce soir. J'ai prévu une petite citation en préambule. C'est une citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Aujourd'hui, les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois ont fait le choix du renouveau, du changement, des nouvelles priorités, et je les en remercie. Je les remercie. Je vous remercie pour votre confiance en moi, en mes colistières et colistiers, cette équipe magnifique. Magnifique. Cette équipe magnifique qui s'est rassemblée depuis plus d'un an autour d'un projet de transformation pour Strasbourg. La responsabilité est grande, les défis écologiques, sociaux, démocratiques immenses. Et avec vous, je vais les prendre à bras le corps. Vous pouvez compter sur moi. Pendant cette campagne atypique et malgré une crise sanitaire sans précédent, j'ai ressenti cette envie, cette espérance, ce besoin viscéral de regarder le monde comme il est, mais aussi de le changer. Aux personnes qui ne se sont pas déplacées, aux personnes qui n'ont pas voté pour notre projet, je veux les assurer que je gouvernerai pour et avec toutes et tous les Strasbourgeoises et Strasbourgeois dans le respect, la coupe et le dialogue. Depuis que nous avons démarré cette aventure, il y a plus d'un an, la dynamique déjà présente dans notre ville n'a fait que s'amplifier, renouvelant profondément le paysage et nous installant comme la première force politique dans notre ville. Il faut désormais compter avec l'écologie, il faut désormais compter avec la soif de justice sociale. Il faut désormais compter avec l'aspiration revendiquée à une démocratie citoyenne à Strasbourg. Je m'y engage. Devant vous, je m'y engage. Grâce à vous, Strasbourg est désormais la plus grande ville de France, avec à sa tête une maire. Un signal extrêmement fort que vous, Strasbourgeoises et Strasbourgeois, vous venez d'envoyer sur l'Eurométropole, vous venez d'envoyer ailleurs en France, vous venez d'envoyer en Europe et dans le monde. Ce signal, ce message, c'est que Strasbourg, notre capitale européenne, est prête à changer d'époque, à faire évoluer ses priorités, à coopérer avec les territoires voisins et les villes européennes, à devenir exemplaire. Nous ferons de Strasbourg la capitale européenne de la transition écologique, sociale et démocratique.
mon ADN est franco-allemand, mon ADN est européen, et c'est à cette échelle que je vais désormais propulser notre ville dans le concert des métropoles qui innovent, qui protègent et montrent la voie. Merci. Merci aux milliers de soutiens actifs. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont glissé un petit bulletin vert dans l'urne. Merci à toutes les personnes que j'ai eu la joie de rencontrer. Merci aussi à mon équipe, à cette formidable et magnifique équipe. Merci à mes proches, à mon amoureux, à mes parents et ma famille, mes amis. Merci à vous toutes et tous qui m'avez accueilli, parfois chez vous, pour des réunions d'appartement. Merci à toutes les associations qui m'ont interpellée. Merci à vous qui m'avez souri dans la rue. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait appel à leur créativité et ont eu confiance en notre projet. Je serai la mère de toutes et tous, de chacune et chacun. Je serai à votre service avec humilité et détermination. Demain commence vraiment aujourd'hui.